Hey Lydie, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Et aujourd'hui, on est le 7 mars, le jeudi 7 mars, et c'est mon anniversaire. Je vous ai demandé sur les réseaux sociaux il y a quelques temps d'essayer de deviner la display que j'ouvrirai pour mon anniversaire. Et certains parmi vous ont trouvé la bonne réponse. C'est bien une display Horizon Cybernétique que j'ouvre aujourd'hui. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Horizon Cybernétique? Pourquoi avoir choisi cette display? Elle a déjà 8 mois, il y a. Enfin, voilà. Ça peut te paraître bizarre, et en fait, tout simplement, je joue pas méta. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous savez très bien que je ne joue pas méta, je n'ai que des decks fun, des decks qui se rapprochent des decks compétitifs, mais qui ne sont pas méta du tout. Et en jouant un petit peu, enfin beaucoup même, sur Yu-Gi-Oh! Pro, d'ailleurs, j'ai croisé Obscurity totalement par hasard l'autre jour, ben, je me suis fait rouler dessus plein de fois de suite par des gros decks méta, avec du Borel, avec du Danger, avec du H, etc. Et ben, je prends pas de plaisir à me faire rouler dessus, c'est pas agréable. Du coup, je me suis mis un petit peu à essayer de faire des decks méta, et même si c'est beaucoup moins fun de jouer un deck méta, le jouer contre un deck méta, on peut trouver du fun à être. Enfin voilà, bref, je trouve que ça commence à m'intéresser. Du coup, je me suis dit, ben, aujourd'hui j'ai une display à ouvrir. Une des cartes qui coûte le plus cher dans un deck méta et qui est presque présent partout, c'est le Borel Sword. Donc, on va essayer de le choper dans cette display là. C'est une display qui est anglaise. Je me suis fait avoir, en fait, enfin avoir entre guillemets, hein, c'est pas très très grave. En fait, je sais pas si vous le verrez bien ici, je sais pas si je suis bien devant la caméra. Tac, désolé, j'ai fait n'importe quoi du coup. C'est une display qui est en anglaise. J'ai été sur Amazon, j'ai vu cette display là à 57 euros. C'est un truc de dingue, je vous mets le lien dans la description. Du coup, j'ai pas trop regardé et il y a aucun moment c'est indiqué que c'est une display en anglaise ou en française. Je me suis dit, vu que c'est sur Amazon, il n'y a pas de raison. Enfin, en fait, je me suis rien dit, j'ai juste acheté et puis je me suis pas trop posé la question et j'ai reçu la display en anglaise. C'est pas grave, mais c'est aussi pour ça qu'elle était à 57 euros. J'ai quand même checké les prix. Il y a quand même des cartes super cool en anglaise. Le Borel est à 70, Nessie est à 40, Jackpot il va être à 20, Bigfoot 14, et après on a Siégeur, Rêve System, Hertz qui vont être des cartes à 5. Donc techniquement, on drop Borel, on a remboursé la display, on drop Nessie Jackpot, on a remboursé la display, on drop Jackpot Bigfoot. Enfin voilà, bon, il y a plein de choses qui peuvent rembourser la display et c'est pour ça aujourd'hui qu'on va aller checker tout ça. On passe sans plus attendre sur la deuxième caméra et on va aller s'ouvrir cette petite display donc qui est encore scellée. Je vais passer rapidement quand même sur les communes. On va vraiment se concentrer sur l'ouverture des cartes rares. Pourquoi? Bah, parce que cette display elle a déjà 8 mois et que bah, si vous c'est l'ouverture des communes qui vous intéresse, allez checker une autre vidéo, je mettrai le lien quelque part par là d'un copain à moi, d'un pote youtubeur qui a déjà ouvert ça et qui a pris le temps de vous présenter les communes. Moi du coup je les connais déjà, je suppose que vous les connaissez déjà et du coup on va tracer nous uniquement sur la rareté et sur les cartes méta qui m'intéressent. Tac. J'ai pas ouvert beaucoup beaucoup de displays sur cette chaîne, j'en ai ouvert deux exactement. Je vous mets les liens juste ici ou dans la description si j'ai plus de place dans les liens en haut. J'ai ouvert tu me rappelles plus que c'est une display où j'ai looté Lumicatrice en Ghost, tout simplement. Et après, j'avais ouvert une display, les ombres, voilà. Hop. On va essayer d'ouvrir bien les boosters. Alors. Hop, macro. Non, macro, tu fais pas de fer. Ok, c'est bon, désolé. Donc, on a du rare et du super derrière. Ok. Rien d'extraordinaire après. Tac. Donc si je m'arrête pas sur les cartes, c'est qu'elles ne cotent pas, tout simplement. Alors moi c'est pas la cote qui m'intéresse, c'est plus les cartes méta, mais les cartes méta cotent. Et du coup, bah, naturellement, on va s'intéresser aux cartes qui cotent. Ok. Du super et du rare, encore une fois. Donc pour ceux qui se posent la question, j'ai 23 ans aujourd'hui. Voilà. du lutin incantation et du cyberce magician. Ok. Je sais pas combien coûte cyberce magician. Peut-être qu'il vaut 2 ou 3 euros. Oh, j'ai mal ouvert ça. Disciple lien et mana dragon Zirnitron. Qui est super joli au final. Hop. Franchement, si j'arrive à loot les cartes que je veux, ça serait vraiment cool. Donc, du White Singray et du Cruzedia. Ok. Mais c'est pour ça qu'il y a plein de noms que je reconnais pas tout à l'heure. C'est vrai que c'est une display en anglaise. Ok. Et du Dragonite derrière.
Ouais, vraiment, je trouve ça naze. En fait, je fais jamais ça d'habitude, le fait de passer les cartes très très vite, mais pour le coup, le reste des cartes m'intéresse pas franchement. Ok, première secret du lot, Celestial Observatoire. Je sais pas vraiment si ça code, du moins je l'ai pas trop vu. Ça me dit rien, mais bon, c'est cool, c'est une première secret. Donc ouais, je trouve ça un peu naze de passer les cartes aussi vite, mais au final, le reste des cartes ne m'intéresse pas. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Excusez-moi si je me répète. Et puis en plus de ça, enfin, c'est vraiment une extension qui a 8 mois, donc elle a déjà été ouverte plein de fois. En soi, il n'y a pas trop trop d'intérêt à perdre du temps entre guillemets à regarder les cartes communes qu'on drop quoi. Donc encore du lutin caption. Enfin, je sais pas s'il y a du lutin caption, en tout cas si c'est Talion Mandra. C'est sûr. On a ouvert presque la moitié de la display du coup là. En 6 minutes. Le gars rush la display quoi. Alors, Interrupteur Resistor et Legacy World Survival. Ok. Oh, cool! Cyberdragon Siégeur, bim, première carte stylée de la display. Donc, c'est une carte à 5 euros. Je m'excuse, j'ai dû couper la vidéo. Ça va faire une coupure au milieu de ça, mais il y a le livreur qui vient de toquer. J'ai reçu un colis. Donc voilà, on était sur le Cyberdragon Siégeur. Donc, c'est une carte à 5 balles. Et c'est une carte qui est vraiment super forte dans les decks Siégeur, notamment parce qu'elle permet des loops assez sympas. Donc, première carte qui cote au bout de la moitié de la display. On va pas se plaindre, c'est pas mal. Mais on peut espérer un tout petit peu mieux quand même. Ça serait cool. Alors. Eh ben oui, ben voilà, ça c'est cool aussi. Je ne sais pas la cote de We Wish, mais c'est toujours une carte cool en tout cas, ça c'est sûr. Et puis ben, le troisième talisman droit, ça c'est cool. Oh, ben, deux boosters de suite, on a eu des bonnes cartes, des cartes cool, on va dire. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors. Ah, c'est Ayaté, dommage. Ça aurait pu être une carte vraiment cool. Ok, donc du strike et du tablier qui ne cote rien du tout. Hop. Hop, ça cote rien non plus. Toujours tablier et une chevalier noble. Jamais ouvert une display aussi vite de ma vie. Du Croisédia et du Cybers. Mais en même temps, le reste des cartes, je les connais par cœur, parce que j'en ai déjà ouvert plein. Donc voilà, j'ai l'impression de me justifier, alors que pas du tout. C'est vraiment l'objectif de cette vidéo. Moi, l'objectif, c'est d'aller drop des grosses cartes. Le reste, bof, quoi. Encore du Wish, ok. C'est la deuxième Wish qu'on a. Et du World Legacy. On se rapproche de la fin, on n'a pas vu un seul danger. On a... Ah, ça... Ça me met un peu la pression quand même. Ça me met un peu la pression. Alors, du Paladin Storm et du Zone Danger. Zone Danger qui ne coûte rien, style 1 euro. C'est pas très très intéressant non plus. Hop. Alors, j'ai un doute sur la cote de cette carte, mais je me prononcerai pas, je suis pas sûr. Et puis encore du Talisman Drap. On se rapproche de la fin. Pour l'instant, on a 5 euros de rentable sur la display à peu près à la louche. Il y a toujours d'autres cartes qui valent un petit peu plus. Du Dragunité qu'on a eu dans les premiers boosters. Et la même carte que tout à l'heure. On n'a pas eu un seul danger. J'aurais bien aimé au moins un Borel. Au moins un Borel. Enfin, Borel, non. Borel dans le meilleur des mondes. Mais au moins du danger, ça aurait été cool. Et sinon, au moins un rêve système, ça aurait été cool pour finir mon deck. Rien du tout d'intéressant non plus. Tac. C'est un gros paquet de cartes quand même. Hein. Après, j'ai payé la display 57 euros. Donc, même si je loot pas du lourd, tant pis. Voilà, ça aura fait une vidéo. C'est cool quand même d'ouvrir ça avec vous. Et puis, dans tous les cas, c'est mon cadeau d'anniversaire. Ça me fait plaisir. Et puis c'est tout quoi. Alors, le Gouki, par contre, il cote lui. Le Gouki, il cote, c'est sûr. Enfin, c'est sûr. J'ai un doute quand même. Mais il me semble quand même de mémoire qu'il vaut, au moins 2-3 euros, si ce n'est pas un petit peu plus. Je me trompe peut-être, il y a plusieurs Gouki dans cette extension-là. Ah, ben voilà! Donc ça, c'est une carte qui cote 5 euros. C'est plutôt pas mal, ça veut dire qu'on est plus ou moins à 10 balles de rentabilité. Et il nous reste 3 boosters.
Il nous reste 3 boosters. On va voir ce que ça donne, ces 3 boosters. Ah, je galère à la sortir. Ok, carte qu'on a déjà eu tout à l'heure. Plus que 2 boosters. On a eu un danger, c'est quand même cool. Et comme quoi... comme quoi, dropper du lourd, c'est quand même pas facile. Hop, rien d'extraordinaire non plus. Et le dernier booster. Finger Crossed, c'est du lourd. Et c'est du mec chevalier. Morningstar, ça doit être une carte à 4€, quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool quand même. Donc, on aura eu 2 We Wish. Tac. On aura eu... le mec chevalier Morningstar, je sais pas trop combien il coûte, mais aux alentours 3-4€ à mon avis. Ça coûte 5 balles, c'est sûr, et ça coûte 5€. Malheureusement, alors c'est cool parce que je vais quand même pouvoir compléter certains de mes decks, mais malheureusement, je n'ai pas eu les cartes que je cherchais, mais c'est pas grave du tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire, ça me fait plaisir d'ouvrir tout ça avec vous. On a tryhard cette display, ça fait quand même un gros paquet. Et puis voilà, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Passez une bonne journée. Faites de nombreux duels et collections de cartes. Prenez soin de vous. Et surtout, à bientôt. Allez, ciao les potes.